Bonjour. La fonction numéro 16, l'extracteur de texte. Alors, l'extracteur de texte, vous pouvez l'activer ou le désactiver, comme les autres options. Et cette fonction vous permet de faire un copier de n'importe quel endroit de votre écran, voire même d'une image, c'est-à-dire le texte d'une image, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là. Copier un texte, ici par exemple, vous voyez, je ne peux pas sélectionner le texte en haut, extracteur de texte, je ne peux pas le sélectionner pour le copier. Eh bien, en utilisant le raccourci Windows plus Shift plus T, je vais pouvoir copier ce texte. J'enfonce donc ma touche Windows, ma touche Shift ou Maj, et la touche T. Mon curseur est devenu une croix. Je crois qu'on ne le voit pas sur la vidéo, mais il est devenu une croix. Maintenant, il suffit de sélectionner le texte en haut, ici. Et une fois que j'aurai relâché mon clic, ça va copier ce texte. Je pourrais le coller, par exemple, ici, dans un message sur le forum, comme ceci, CTRLV, et j'ai mon texte. Ça, c'est pour des textes qu'on ne peut pas copier en les sélectionnant. Et on peut aussi, alors, je vais vous montrer sur une image où ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas sur toutes les images. Ici, par exemple, j'ai une image. Comme vous pouvez voir en haut, j'ai justification-01.jpg. C'est donc une image. Donc, il est impossible de copier ce texte. Eh bien, avec la fonction Windows Shift plus T, je vais sélectionner mon image, ici. Je relâche le clic et vous allez voir qu'en collant ici, par exemple, eh bien, j'ai bien Action sociale, le département, etc., que j'ai là, ici, Action sociale. Voilà à quoi peut servir cette option d'extracteur de texte. Prochaine option, désactiver le son de la vidéoconférence.